toi, ô Seigneur de la vie, victoire, ô Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant, le règne est pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu, il juge et règne dans les cieux. Bonjour et bienvenue à la messe du 19e dimanche du temps ordinaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur Jésus, qui aimait prier son Père dans la solitude et le silence, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers frères et sœurs, nous ne sommes pas des personnes parfaites. Notre relation à Dieu laisse parfois à désirer. Il en est de même dans nos liens avec les gens que nous fréquentons. Demandons le soutien du Seigneur et implorons son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, toi que nous tenons parfois à l'écart de nos vies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles à nous aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as aimés jusqu'à la croix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, qui est toute bonté et toute miséricorde, reconnaisse en nous ses filles et ses fils, qu'il nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Aux hommes qu'il aime,
Éternel et Tout-Puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des Rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne, devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qui fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est la paix pour son peuple et ses fidèles, son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais nos voix, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Fais nos voix, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Fais nos voix, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. C'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas, ma conscience mon rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites, ils ont l'adoption
la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches et c'est de leur race que le Christ est né. Lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il reverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui, nos frères et sœurs, touche au plus profond d'une expérience humaine qu'on appelle la peur. La peur, c'est quelque chose qui indique que notre vie est en danger. Et il faut faire quelque chose. Naturellement, quand nous nous sentons le danger pour nous-mêmes, ce que nous faisons, c'est de fuir le danger. Mais parfois, cette peur est enracinée en nous, une peur
non seulement de ce qui fait du mal, mais la peur de vivre. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de vivre. Et Jésus, dans cet épisode, il nous montre comment, avec lui, il faut foncer dans la vie sans avoir peur de vivre. Même avec les souffrances, même dans les conflits, il faut avoir le courage de lui donner la main et de lui dire « Je ne suis pas seul, tu es avec moi. » Et je crois que c'est une expérience que chacun de nous doit passer, doit vivre, pour apprendre non seulement à comment vivre avec Jésus nos difficultés, mais surtout pour apprendre à devenir un autre Jésus pour les autres, à donner notre main pour les autres et les guider vers l'autre bord, vers la paix, vers Dieu. Essayons de voir les quelques éléments de cette histoire. Jésus est avec ses disciples. On a vu dimanche dernier qu'il a fait le miracle de la multiplication du pain et du poisson. Il en restait beaucoup. Maintenant, il sait que ses disciples sont fatigués. Travailler avec les gens, travailler avec la foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, je crois bien que les disciples étaient fatigués, très fatigués. Jésus leur dit, montez dans la barque et allez vers la mer. Prenez les barges, allez vous reposer. Et lui, il envoie la foule, il est là à écouter les dernières suppliques, quelqu'un qui veut lui demander quelque chose, mais en fin de compte, lui aussi, il a besoin de se reposer. Comment Jésus prend son repos? Il monte sur la montagne. Le mot « montagne » dans la Bible, c'est toujours la rencontre avec Dieu. Alors Jésus, fatigué aussi, il prend la route de la montagne. Il va vers le Père pour rencontrer son Père. Et il passe son temps avec son Père dans la prière. Mais lui, il voit toujours que ses disciples sont dans la nuit, dans la mer, dans cette barque. Il sait qu'il y a un vent très fort qui va bouleverser avec des grandes vagues cette barque de Pierre et ses amis. Il pense à eux dans sa prière. C'est pour cela qu'il vient les rencontrer. Il marche sur la mer, sur l'eau, et il voit qu'ils ont peur. Il voit que il pense à lui, mais où est-il? Maintenant qu'on a besoin de lui, lui qui fait des grands miracles, où est-il? Ce n'est pas notre parole à nous parfois, dans notre souffrance, dans notre solitude, dans nos grands défis, dans nos expériences, mauvaises expériences, dans nos absences les uns aux autres, absences de notre Dieu. Combien de fois on a dit, Dieu, où es-tu? Ça nous rappelle le Fils prodige. Lui qui est dans son péché et son Père qui vient tous les matins, sort tous les matins de sa maison, regarde tout au loin pour voir si son Fils est revenu. Jésus pense à ses disciples tout le temps.
même quand il est avec son Père. Il est avec son Père pour ses disciples. Il pense à nous. Il n'est pas loin. C'est comme une maman et son enfant dans le lit d'un hôpital. L'enfant est dans le lit. La maman est à côté de lui. Lui, tout petit, dans sa douleur, dans ses souffrances, il ne voit pas sa maman. Et à un moment à l'autre, il dit, « Maman, où es-tu ? » Il ne sait pas que maman est là tout le temps. Notre Dieu, c'est comme ça. Il est à côté de nous. Alors, quand Jésus arrive, les disciples croient qu'ils ont vu un fantôme. Parfois, on ne reconnaît pas l'amour de Dieu. On ne reconnaît pas la présence de Dieu dans notre vie. Il faut faire attention. Comment Dieu est là avec nous? Il faut faire attention à toutes ces petites choses à travers lesquelles Dieu est présent parmi nous. Il est présent non pas dans le grand bruit, comme nous dit la première lecture. Il est présent dans un murmure d'une brise légère. Le quotidien de notre vie, les petites choses simples, il nous regarde. Il est content que nous vivons pour lui et avec lui. Mes chers frères et sœurs, et parfois aussi, il est avec nous parce qu'il a fait une grande promesse, comme au peuple juif. La promesse de Dieu, comme dit saint Paul, Dieu est toujours fidèle à sa promesse. Il a dit aux patriarches, ou il a dit aux prophètes que de ce peuple viendra le Sauveur. Et Dieu a maintenu la parole. Ça, c'est une autre façon d'être présent. Jésus-Christ est la promesse de Dieu pour l'humanité à travers le peuple juif. Et nous sommes dans notre barque. Nous avons peur de beaucoup de choses. Vous pouvez nommer votre peur aujourd'hui et l'exposer au Seigneur. Laissez le Seigneur prendre votre peur et vous dire avec une grande joie, n'ayez pas peur. Viens, donne la main. Si tu ne crois pas, c'est que votre foi est encore n'est pas maturée. Mais moi, je suis ici. C'est à toi de cheminer avec moi, de me donner la main, de croire fermement que je ne t'abandonne jamais. Mais pour le savoir, est-ce qu'on peut vraiment sortir du grand bruit de nos habitudes, de nos routines, pour créer le moment de la rencontre avec lui? C'est la prière. Comme Jésus était avec son Père, même avec son Père, devant son Père, ses disciples étaient présents à son cœur. Et il va les aider. Et nous, quel est le moment de notre prière? Est-ce qu'on a peur d'être tout seul avec Dieu? Est-ce qu'on a peur d'être tout seul avec nous-mêmes? Peut-être. Mais c'est là, dans ce désert, où Jésus aime bien se révéler. Je vous quitte avec une citation de Mère Thérèse de Calcutta. Elle dit, « Donnez beaucoup d'attention, beaucoup de respect au temps de la prière. Et surtout,
que la moitié de cette prière soit passée dans le silence. Que Dieu nous bénisse. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu est notre Père, il entend la prière de tous ceux et celles qui l'implorent. Prions-le avec sincérité, ferveur et confiance. Et disons ensemble, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour ceux et celles qui gouvernent les peuples en toutes circonstances et en tout le temps, qu'ils agissent avec justice et humanité. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, qu'ils soient convenablement soignés et auprès d'eux des personnes qui les soutiennent. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les responsables de notre Église, qu'ils soient les premiers à pratiquer ce qu'ils enseignent au nom du Christ Jésus. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les membres de notre communauté, que Dieu les aide à le rencontrer dans le silence et le recueillement. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Mettez sur l'autel de Jésus toutes vos peurs, vos besoins, vos solitudes, vos souffrances, mais aussi votre capacité de porter la paix aux autres, de porter la joie aux autres, de porter le pardon aux autres, comme Jésus l'a fait avec nous. Réponds favorablement à nos demandes, Seigneur. Et aide-nous à travailler nous-mêmes à la réalisation de ce que nous demandons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. N'aie pas peur dans la nuit, quelqu'un est là. D'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement.
qu'il devienne par ta puissance le sacrement de notre salut, par Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus-même nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donne-nous un signe de paix. Cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nous donne et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Allons de l'autre
toi, Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Toi, Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur la route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Une grâce très spéciale pour la réouverture de nos églises, ce qu'on peut célébrer les sacrements. Alors je veux partager avec vous l'invitation que nos églises sont ouvertes pour célébrer le sacrement de la confession aussi. Alors vous pouvez appeler vos églises respectives et voir le cédule de la confession, que ce soit le samedi ou bien le dimanche. Mais je vous assure, si vous ne pouvez pas le faire ni le samedi ni le dimanche, vous pouvez toujours appeler votre prêtre, laisser votre numéro de téléphone et pour prendre un rendez-vous durant la semaine. Nous sommes là pour vous servir et vous donner la grâce de Dieu. Prions. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie. Marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux marchant dans la foi, je te dis oui. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie. Marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je veux suivre tes pas, sachant que tu ne me trompes pas. Aujourd'hui, j'espère ton salut, marchant dans la foi, je te dis oui. Marche avec moi.